je le diffère. C'est une question d'avidaire difficile et vous devez chercher un juge plus habile. Non, vous me dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons. Nous savons que chacun vous donne à juste titre. Et de grâce. Oh, non, vous serez votre arbitre et ce sont deux moments qu'il vous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous doit condamner, car enfin. S'il est vrai ce que j'en ose croire, mon cher amer raison donnera la victoire. Que le pyjama traître inspire le souci d'inventer quelque chose à me tirer d'ici. Pour ouïr son esprit, j'ai trop beau témoignage pour craindre qu'il prononce un mot au désavantage. Enfin, ce gros débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il faut qu'en amant. Ou, pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, lequel doit plaire plus d'un jaloux ou d'un autre. Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je suis pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect davantage. Paraître au jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Monsieur, le temps répugne à l'honneur de vous voir. Le matin est plus propre à rendre un tel devoir, mais de vous rencontrer, il n'est pas bien facile, car vous dormez toujours où vous êtes en ville. Au moins, messieurs vos gens me l'assurent ainsi. Et j'ai pour vous trouver pris l'heure que voici. Encore est-ce un grand heure dont le destin m'honore, car deux moments plus tard, je vous manquais encore. Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi? Je m'acquitte, monsieur, de ce que je vous dois. Et vous viez excuser l'audace qui m'inspire sans tant de façon, qu'avez-vous à me dire? Comme le rang, l'esprit, la générosité que chacun vante en vous. Oui, je suis fort vanté. Passons, monsieur. Monsieur, c'est une peine extrême lorsqu'il faut à quelqu'un se produire soi-même. Et toujours près des grâces, on doit être introduite par des gens qui de nous fassent un peu de bruit, dont la bouche écoutée avec poids débite ce qui peut faire voir notre petit mérite. Enfin, j'aurais voulu que des gens bien instruits vous eussent pu, monsieur, dire ce que je suis. Je vois assez, monsieur, ce que vous pouvez être. Et votre seul abord ne peut faire me connaître. Oui, je suis un savant charmé de vos vertus. Non pas de ces savants dont le nom n'est qu'en us. Il n'est rien si commun qu'un nom à la latine. Ceux qu'on habille en grec ont bien meilleure mine. Et pour en avoir un qui se termine en S, je me fais appeler Monsieur Charitides. De quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous. Ah! Que tu fais l'envie, ma juste impatience. Monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence. Mais me rapportes-tu quelques nouvelles, enfin? Sans doute, et de l'objet qui fait votre destin. J'ai par un ordre exprès quelque chose à vous dire. Mais quoi? Déjà mon cœur après ce mot soupir. Parle. Souhaitez-vous de savoir ce que c'est? Oui, dis vite. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Je me suis accouru presque mis hors d'haleine. Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine? Puisque vous désirez de savoir promptement
L'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, je vous dirai. Ma foi, sans vous vanter, mademoiselle, j'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle. Et si reste soit fait de cette ignorance. Il faut modérer un peu ses passions. Et Sénèque... Sénèque est un sot dans ta bouche. Puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche, dis-moi ton ordre, le taux. Votre orphise... Une bête et la dangereuse. Laisse-le ici. Cette beauté de sa part vous fait dire... Quoi? Devinez. Sais-tu que je ne veux pas rire? Son ordre est qu'en ce lieu, vous devez vous tenir. Assurez que d'un peu, vous l'y verrez venir. Lorsqu'elle aura quitté quelques provinciales, aux personnes de cour, fâcheuses animales. Tenons-nous donc au lieu qu'elle a voulu choisir. Mais, puisque l'ordre m'offre ici quelques loisirs, laisse-moi méditer. J'ai dessein de lui faire quelques vers sur un air où je la vois se plaire. Mais j'aperçois ma femme. Au ciel, c'est miniature. Et voilà, d'un bel homme, une vive peinture. Que considère-t-elle avec attention? Ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens la mémue. Jamais rien de plus beau ne s'offrit à ma vue. Le travail, plus que l'or, se doit encore plaisir. Que cela sent bon. Quoi? Peste le baiser! Oh, gentillesse! Avouons, on doit être ravie quand d'un tel homme on se peut voir servie. Et que s'il en comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Ah, que n'ai-je en mari d'une aussi bonne mine? Au lieu de mon pelé, de mon russe! Ah! Matine! Nous vous y surprenons en faute contre nous et diffamant l'honneur de votre chère épouse. Donc, à votre calcul, ma trop digne femme, monsieur, tout bien compté ne vaut pas bien madame, et de par belles églises qui vous puissent emporter, quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port que tout le monde admire, ce visage si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés soupirent nuit et jour. Bref, en tout et partout, ma personne charmante, n'est pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il faut à son mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot tout va la ragoûter, madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur. À des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tardez tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce ne serait pas moi qui se ferait prier. Et loin qu'un pareil oui me donnât de la peine, croyez que j'en dirais bien vite une douzaine. Le précepteur qui fait répéter la leçon à votre jeune frère a fort bonne raison. Lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croit beau tant qu'à l'arbre il se tient bien serré et ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse, et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin. Mais j'avais, lui vivant, le thé des chérubins. L'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Je suis maintenant ma commère dolente. Guerre! Guerre, Martin! À cela, mon honneur, qui sans miséricorde souillait notre honneur. Tourne, tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je
fouet. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger, viens plutôt d'en rougir. Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux et monter mon courage. Et si je le rencontre, on va voir du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut m'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne... À qui donc en veut-on ? Je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là ? C'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons-en le courage. Aïe ! Je ne parle pas. Ah, pas trop dans son âge. Lâche, requin de poule. Il t'en doit dire assez. Cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui. Je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Que n'ai-je un peu de cœur ? Ah, cesse devant moi, traître, de ce discours l'insolence cruelle. Scannarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant, sois un peu vigoureuse. Là, hardi. Tâche à faire un effort généreux en le tuant tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfaite et l'applaudir ici du beau chouet qu'il a fait. Oui, oui, mon chouet est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de le vouloir défendre. Sans doute, elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, mon sieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre, et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage.